Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition d'un apéro avec Motomag, votre petite friandise, votre petite surprise du vendredi soir. Ça parle nanar, culture, histoire, moto fantastique, moto historique. Aujourd'hui, du ciel bleu et beaucoup de couleurs, puisqu'on est là pour vous parler de la saga des Triumph Speed Triple avec plein de questions. Est-ce que c'est une moto qui est déjà une moto mythique, une moto historique? Est-ce qu'elle est extraordinaire ou pas tant que ça? Faut-il en acheter? Quel millésime? À côté de moi, le super spécialiste de la Speed Triple pour plein de raisons. Marcel Pellerin, chef des essais de Moto Magazine. Gilles Bimaud, comme ça. On t'appelle comme ça. Marcel Pellerin, en fait, vient d'écrire un comparo avec la Speed Triple et ses concurrentes qu'on a mis à plein gaz à Dijon. Regarde l'état des pneus, ça a un petit peu mis de la poignée dans le coin, tu vois. On dit pas le résultat parce que pour ça, il faut acheter Moto Magazine et abonner toute sa famille. Ça nous permet de manger à notre faim et de rester propre. Et exactement. Ça, c'est vachement important. Exactement. Et puis surtout, tu possèdes. Et de rester digne. Et de rester digne. Surtout, tu possèdes cette moto, c'est la tienne. Ouais. Cette moto, alors attention, elle n'est pas rose, enfin en fait elle est carrément rose, Le marketing étant ce qu'il est, c'est-à-dire l'art de prendre des gens pour des billes, elle est en fait au rouge nucléaire, nucléaire red. Et puis aussi, Axel, quand tu es sorti la première Speed Triple, toi tu étais déjà en plein dans les Triumph 3 cylindres, tu as couru avec des Triumph Trident 750, tu as fait la nique à Agostini, à Mallory Park en 72, enfin Axel et la Triumph, c'est carrément. Bernard Pivot et le dictionnaire, tu vois, c'est exactement. Un set de monuments. Ouais. Donc voilà, première question, Axel, quand la Speed sort en 94, c'est une révolution. Alors déjà, c'était le renouveau de Triumph. Rappelle-toi, quelques années avant, ils avaient sorti les 900, les 750 Trident, qui étaient des motos un peu, presque un peu néo-rétro, si tu te rappelles, couleur bicolore, crème et tout. Et tout d'un coup, bing, ils nous annoncent l'arrivée d'un Roadster Sport. Il faut savoir qu'à l'époque, les Roadster Sport, c'était embryonnaire. Oui. Il y a eu quasiment en 94 la 900 Monster. Et avant, il y avait quoi? Il y avait la CB Big One. Ouais, enfin, mais c'était pas un créneau, c'était une tentative un peu isolée. Voilà, donc ils nous sortent la T301, donc la Speed Triple, qui était avec le moteur 900 qui était monté sur les Trident à l'époque. Et c'était une révolution, même la campagne de pub, rappelle-toi, c'était un Doberman. Alors faut faire gaffe parce que. Non, c'est pas un Doberman, voilà, c'est une espèce de se tromper, une espèce de Rottweiler berger islandais du sud, enfin un truc bizarre, donc, mais méchant, tu vois. Donc est arrivée cette moto, et puis c'était la première moto de série aussi avec des guidons bracelets et sans carénage. Ouais. Alors une légende dit, est-ce que tu peux confirmer ou pas cette légende? En fait, à l'époque, ils avaient la 900 Daytona, et un jour, un mec arrive à l'usine et dit, by job, I'm afraid I've lost the front. Le mec s'était bourré, il n'y avait plus de carénage, et ils font. Mais dis donc, ça ne fait pas une moto sympa. Ouais, alors ça, c'est, je pense qu'on est dans la légende urbaine, ouais, parce d'accord. que quand tu industrialises une moto et que il faut pas que tu te plantes, parce que c'est le début de, que je le répète encore une fois, c'est les débuts de Triumph. Je pense pas que ce soit passé comme ça. Mais j'aime bien le concept, oui. Personnellement. Parce que t'as déjà perdu l'avant, toi aussi, tu vois l'idée de ramener une moto. Oui, enfin, perdre l'avant, c'est allégé. Non, mais effectivement, ça a été. Parce qu'en fait, c'est exactement une Daytona décarénée. Voilà. J'ai une petite phrase qui va te plaire, toi qui aimes bien les citations. Une sortie de route dans le journalisme. C'est le métier qui rentre. Ah, pas mal. Tu vois, pas c'est mal, quand pas même. Mal. Ouais, j'aime bien. Voilà, c'est pas mal. En 94, elle est noire essentiellement. Hein, ouais. Elle change de couleur, elle devient jaune en 95 et orange en 96. Ouais, c'est un ça. Truc ouais, comme ça. Ouais. Enfin, on va peut-être se planter. Dites-nous si on se plante de alors beaucoup attention, ou pas de beaucoup. C'est pas les mêmes. Hein. 94, oui, c'est 96. Ça. C'est pas les mêmes. Vas-y. Petite question avant. En 94, c'est une, elle a un super accueil dans la presse. Tout le monde s'extasie. Les gens trouvent ça très cool. Déjà, l'esthétique, moi, je suis assez fan. À l'époque, j'adorais cette moto. Je trouve que l'esthétique, c'est une espèce de brute comme ça, mais avec ce côté un peu britannique, ça reste quand même assez classe vrai. Dans l'absolu. Gros succès dans la presse, gros succès dans les concessions. Et pourtant, en vrai, c'est quand même une enclume. En vrai, c'est l'énorme cadre, tu sais, assis avec l'énorme poutre centrale. Je crois qu'à l'époque, quand on l'avait pesé, on était autour des 250 kilos. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon, ça fait comme quoi tu vois un nouveau truc machin, l'enthousiasme ça fait vite oublier. C'était pas une moto extraordinaire. Une légende dit que le cadre est fait avec des morceaux du pont de la Tamise. Probablement, c'est faux, c'est une légende urbaine aussi. Voilà. On déconne pas passé loin. Non, en fait, cette moto c'est un look et un moteur en réalité. Ouais, voilà, c'est un look, un moteur et une position de conduite parce que c'est un roadster avec une position sportive. Oui, vous allez voir, t'as tu as pratiquement en fait, des commandes. Est-ce que j'ai des cheveux? Eh ben non, tu vois, voilà. c'est quand même raide. C'est quand même physique, il faut quand même un peu des bras. Réservoir super long, donc il faut être grand aussi pour attraper les bracelets. Donc c'était quand même révolutionnaire. Et surtout 250 kg ici, au niveau du centre de gravité. Exactement. Tu vois, donc même moto, magnifique. Moto absolument magnifique. Il y a eu une évolution, vaut mieux acheter le dernier millésime en fait, c'est ça? Alors il y a une anecdote, c'est qu'effectivement elle a évolué entre ces deux ans de commercialisation. Parce que la première année, quand ils l'ont sortie, comme c'est en fait une Daytona décarénée, elle était en boîte 6. Mais les ingénieurs de chez Triumph se sont dit,
dit, oulala, il n'y a pas de carénage, si les mecs prennent 250, ils risquent de perdre le contrôle, sortir de la route. Donc en fait, ils avaient bloqué la 6, ils avaient bloqué le barrier de sélection, donc on a une boîte 6, mais on ne pouvait pas passer, on restait qu'en 5. Donc voilà, 94, 95 et 96, donc l'évolution, ils finissent par débloquer ce truc, donc on se retrouve avec une boîte 6. Les tubes de fourche sont un peu plus longs et un peu plus enfoncés dans l'été, et on note l'arrivée d'étriers genre Brembo, vous voyez, doré. Voilà, donc sinon, il n'y a pas trop d'évolution, c'est resté basiquement la même moto pendant ces 94, 95, 96. Une belle moto comme ça, une 96 en super état, ça vaut quoi aujourd'hui, Axel? Ça vaut 5000 euros. Mais ça coûte rien, c'est le prix d'un 125 scooter un peu prétentieux. Ouais. Putain, mais ouais, mettez-vous tous sur des putains de speed triple. Voilà. La vie serait quand même beaucoup plus belle. Le problème, c'est de les trouver d'origine, parce qu'évidemment, à l'époque, on virait les clignotants, on coupait les bavettes, on mettait des pots. Et en plus, comme c'était des machines assez fiables, elles ont beaucoup de bornes. Ouais, ouais. C'est vrai que un moteur T3 comme ça, ça fait 150 000 bornes sans souci. Ouais, ça fait des kilomètres, c'est sûr. Alors il y a ce fameux problème de roue libre de démarreur. Mais alors connu, ça, c'est un peu la loterie, parce que moi j'en connais qu'en 100 000 bornes, ça n'aurait pas arrivé. Ouais. Donc finalement, c'est une moto fiable. Le plus dur, c'est d'en trouver une d'origine. Ouais. Voilà. Comme celle-ci. Et on remercie éminemment son propriétaire, dont le surnom dans le métier est Jack Daniel. On n'est pas sûr que ce soit dans l'état civil, hein, mais en fait, il se reconnaît un peu comme ça. Voilà. Merci à Jack de nous avoir amené cette moto magnifique aujourd'hui. Triumph fait évoluer la speed, ils savent bien en Angleterre, ils sont pas totalement idiots, qu'elle est cool. Elle a beaucoup contribué à rendre une image sympa, sexy, un peu badass de chez Triumph, parce qu'en fait en réalité les Daytona ça se vendait pas, parce que passer à une sportive japonaise c'était un plomb. Les Trident c'était un peu chicos, mais enfin ça manquait un petit peu de poil aux pattes. C'est, à mon avis, tu me corriges si je me trompe, c'est la Trident qui a vraiment installé Triumph comme une marque désirable, cool, sexy. Avec ce côté badass de la Speed Triple. C'est vrai. Et du coup, ils la font évoluer. Donc, quand on fait évoluer une moto à caractère sportif, il y a deux recettes très simples. C'est plus de chevaux, moins de kilos. Et puis, elle commence à perdre un peu dans bon point. Ouais. Donc, et puis, ils sont obligés ils passent à l'injection. Ouais. Donc, arrivent les premières Triumph Speed Triple. Alors, l'évolution de celle-là, c'est celle-là avec l'arrivée historique de la double optique ronde qui faisait vraiment hooligan, qui faisait vraiment genre, je me suis bourré et j'ai deux phares chromés. Mais ça, c'est un coup de génie. Parce que ça a vraiment installé l'identité des Triumph sportives par la suite, pour les 20 ans à suivre. Exactement. Voilà. Puis ça n'a plus rien à voir avec l'autre. Ouais. Le moteur évolue. Alors, les premiers millésimes gardent la cylindrée de 885, mais c'est un tout nouveau moteur, nouveau carter avec injection. Regardez le cadre. C'est un cadre aluminium complètement délirant avec des doubles tubes. Elle passe en monobras, donc c'est une première vraie évolution. Et celle-là, par contre, elle fait un vrai carton commercial. Oui. Ouais. Et alors à l'époque, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la Speed, tu l'as en gris clair ou gris foncé, ça manque un poil de panache. À l'époque, elle est en nucléaire red, en rose. Ouais. Elle est en vert roulette, une espèce de roulette vert green. Roulette green, une espèce de vert psychédélico, terrible, pailleté. Il y a aussi évidemment des noirs, mais en fait, on retient aujourd'hui, tu veux en acheter une, tu cherches la version colorée. Bah, la plus vendue, c'était la noire quand même, parce que tu sais, c'est comme toujours, c'est tout le monde aime la rose, tout le monde aime la verte, mais au moment d'acheter, ils prennent une noire. Syndrome Audi Q5. Voilà, syndrome Audi. Ouais. Donc, il s'est vendu beaucoup de noir, ensuite des roulettes green. Ouais. Et celle-là, ils l'ont fait que pendant qu'un seul millésime. D'accord. Et bon, évidemment, une moto Roadster Sport un peu viril rose, ça a fait cette couleur-là a fait un four. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelque part la plus recherchée. Il faut être vraiment un mâle bien dans ses baskets pour assumer une moto comme ça. Il faut assumer de rouler. Moi, j'assume de rouler sur cette moto parce que j'ai déjà eu des remarques incroyables au feu rouge. Parce qu'évidemment, les mecs, beaucoup me disent « Ah, dis donc, c'est gonflé de l'avoir peinte comme ça. » Je dis « Non, non, c'est d'origine. » Alors ça, c'est une évolution de la T509 parce que là, on passe le moteur 955i. Oui. Donc, on augmente en cylindrée. On passe à barre des 100 chevaux. On est à 110 chevaux à peu près. Donc, celle-là, c'est vraiment la première évolution. Ensuite arrive la même. Alors, elle est appelée Small Ass dans le milieu parce que le petit cul, vous verrez, Fred vous montrera. Là. Après, ils ont fait la même avec un cul énorme qui était vraiment pas joli du tout. Ouais, tout carré. Ouais, ouais, tout carré. C'est de 900 CBR, quoi. Voilà, c'est ça. Et ensuite arrive la première 1050. Ouais, tournant 2004-2005. Ouais, c'est ça. Et cette moto est essentielle dans l'histoire des Speed Triple parce que la 1050, dans toutes ses déclinaisons, elle va durer de 2005 à 2020. Donc au début, elle fait 120 chevaux, elle finira avec 150, elle aura quand même de vraies évolutions, mais la base technique, la base mécanique, la base du châssis, c'est la même. Ils finiront par mettre des gros freins, des meilleures suspensions. Ouais, il faut mais évoluer le cadre aussi. On est sur un cahier des charges qui, globalement, pas beaucoup changé entre 2004-2005 et 2020, ça montre à quel point elle était bien conçue. Ouais. N'empêche qu'en face, le Roadster sportif, ça évolue à vitesse grand V. Ah, ça, c'est clair. Donc il était temps de passer à cette évolution
de la 1200 RS. C'est vrai. Toi, tu as tendance peut-être à hésiter entre une 1200 RS et la dernière évolution des 1050 RS en fait. Alors honnêtement, c'est vrai qu'on a passé les trucs assez rapidement. Il y a eu les 1050, les premières 1050 avec les petits pots shotgun sous la selle et tout, qui étaient des bonnes motos. Effectivement, la concurrence s'est affûtée, mais Triumph a toujours été au top. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils faisaient évoluer leur moto. Aujourd'hui, on arrive, c'est la première grosse évo parce qu'on passe de 1050 à 1200. Moi, personnellement, aujourd'hui, pour moi, j'achèterai un millésime 2020, enfin ceux de l'année dernière, qui avaient les pots à roues, sous la selle, qui avaient plus de couple. Alors, elle faisait que 150 chevaux, celle-là, on fait 180. Mais le problème, c'est qu'elle a autant de coupe que l'ancienne, mais 2000 tours plus haut. Et l'agrément du trois pattes, c'est quand même ce côté un peu caverneux, plein et tout. Donc moi, je conseillerais, si vous voulez une moderne, je conseillerais le millésime avant celle-là. D'accord. Cela dit, vous verrez dans Moto Magazine qu'elle est carrément au top de la catégorie parce que c'est en fait la plus polyvalente de tous les roadsters sportifs. Tu fais de la route, de la piste, c'est confort, ça tartine sa mère. Voilà, tu peux c'est aller quand même facile avec, à emmener, il y a quand même plein de qualités. Ouais. Axel, t'as, dans toute la généalogie, ta Speed Triple préférée? Eh bien écoute, honnêtement, c'est celle que j'ai là. C'est-à-dire, pour moi, le plus beau look, c'est ce look-là, c'est-à-dire 97-2001. Et dans ce look-là, c'est le modèle 2001. Pourquoi ? Parce que tu as le moteur 955. Donc tu as le gros moteur pour moi, ce qui est la plus belle ligne de la Speed Triple. Mais c'est purement personnel. C'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que quand j'ai eu l'occasion d'acheter celle-là, j'ai pas hésité. Voilà. Pour moi, c'est ma préférée. Et celle que tu aimes le moins Alors celle que j'aime le moins, je pense que c'est les premières 1050. D'accord, avec le petit pot justement. Ouais, avec le petit pot, tu sais, il y avait une couleur un peu jaune moutarde, pailletée, dorée là. Celle-là, elle était assez vive, trop vive peut-être. Et comme c'était encore un nouveau châssis, un nouveau moteur, elle n'était pas encore très homogène. Ouais. Il a fallu attendre 2-3 ans avant que Triumph corrige les petits trucs. Donc je dirais que c'est la troisième génération, le premier millésime de la troisième génération que j'aime le moins. D'accord. Voilà. Mais qui est une bonne moto, mais qui ne me fait pas kiffer. Ton meilleur souvenir de Speed Triple ? Mon meilleur souvenir de Speed Triple, alors c'est très simple, j'étais à l'île de Man. Déjà, ça pose le décor, hein. C'était pas genre j'étais porte d'Orléans dans un embouteillage. Non, j'étais à l'île de Man. J'étais à l'île de Man. Il y a une serveuse arrive pour te demander ce que tu veux manger. Bon, là-bas, tu manges mal. Voilà. J'étais à l'île de Man pour un Comparo Roadster Sport. Et on avait donc une Speed Triple. Et là, on avait une KTM 990 Duke. Oui. On crève. Donc on cherche un concessionnaire et on trouve au fin fond de l'île un concessionnaire Triumph. Et j'arrive, le mec avait une comme ça, neuve. Elle avait 2000 km, d'accord. Elle avait donc déjà plus de 10 ans. Je dis au mec, je vous l'achète. Il me dit, ok, pas de souci. Je verse un acompte. Et moi, j'étais persuadé que, comme tout le monde me disait que c'était un pays défiscalisé, je ne paierais pas de TVA et tout. Ouais. J'arrive en France et je me rends compte qu'arriver chez moi, elle m'aurait coûté 5 000 euros. Donc j'ai dû annuler la vente. Mais c'était un super souvenir. C'est pas cher, 5 000 euros. À l'époque, je me souviens que ça. Et puis à l'époque, il fallait la passer aux mines, etc. Ouais. Mais mon plus beau souvenir, c'est d'avoir trouvé une Speed Triple sur l'île de Man. J'ai fantasmé, j'avais versé un acompte. Et tout le reste de mon voyage, j'étais là, putain, il va m'envoyer ma Speed par avion et tout. Et je suis arrivé en France et la réalité m'a rattrapé. D'accord. Mais c'est pas grave parce que finalement, j'en ai eu une. Voilà. Tu veux que je te raconte mon plus beau souvenir de Speed Triple ? Vas-y. Pose-moi la question. Alors, monsieur Gilles Guimauve, ici présent, quel est. Ouais. What is your best non, memories? Écoute, non, c'est une moto qui a toujours nourri ma vie de motard parce que à une époque, je vivais dans les Ardennes. Tu choisis pas tes parents, donc des fois tu es là où ils sont, donc tu es dans les Ardennes. Pour info, les Ardennes, c'est la région où les oiseaux volent sur le dos pour pas voir la misère. Ouais. Ne l'oubliez pas. L'été, c'est beau quand même. Oui. L'été est court. Non, et il y avait un concesse qui s'appelait Jean-Pierre Houdin qui a gagné le Boulder en 80, je sais plus, 4, 5, 6 sur Suzuki. Il faisait Triumph et il faisait essayer une Speed, il y avait une Speed noire. Et à l'époque, moi j'étais jeune motard, tu vois, mon expérience c'était une 125, une 600 GPZ, enfin tu vois, des motos. Et tu te retrouves sur ce truc, mais énorme. Tu vois, le côté cheval de fer, tu vois, la masse, tu vois, vraiment la masse en mouvement. Et la première fois où tu découvres cette sonorité, cette allonge, ce couple, tu changes de palier, tu rentres dans un autre univers en fait. Tu changes de dimension dans ta perception de ce qu'est une moto performante. J'ai réessayé celle-là d'ailleurs 30 ans après. Effectivement, tu dis
Il s'est passé des choses depuis. Ouais, il a pris un coup de vieux. Ouais, mais on s'en fout, c'est de l'émotion, tu vois. Quand tu vois ce truc orange, moi j'adore cette couleur, cette sonorité qui a jamais été. Il y a un côté rappeux, il y a un côté organique qui a plus. Fireball orange. Qui a plus, tu vois, sur celle-ci, parce qu'elle est beaucoup plus vive, elle est beaucoup plus réactive. Il y a vraiment un côté organique sensoriel là-dessus, et j'avoue que j'aime beaucoup cette moto. Ça m'a marqué, et je suis content de les avoir réunis tous les trois pour en parler. Je réalise un truc, Axel, que j'ai roulé sur celle-là, tu ne m'as pas prêté ta Speed Triple. Est-ce que tu... Bah écoute, je t'en prie. Vas-y. Un petit contrat de prêt, une caution. Bah, et... Voilà, contrat de prêt, caution de 12 000 euros. Et puis voilà. tu peux aller l'essayer. Non, parce que j'aimerais bien l'essayer, en fait. Ça doit être quelque chose. Voilà, en plus, elle sort de révision, là, nickel. Donc voilà, je t'en prie, vas-y, fais-toi plaisir. Ah ben merci. Et puis tu vas voir les réactions des gens quand ils roulent sur une motoreuse. Dites-nous ce que vous inspire la Speed Triple, dites-nous laquelle vous préférez, dites-nous si pour vous c'est la Porsche 911 de la moto, un truc intemporel, immuable, pas forcément le meilleur au moment donné, mais c'est là, c'est présent. 27 ça, ans. Ça fait partie de la culture, ça fait partie du patrimoine, c'est une moto unique dans sa configuration, sa philosophie, son moteur et sa façon de vous délivrer du bon gros kiff. Exactement. Partagez ça avec nous dans les commentaires YouTube. Abonnez les enfants, les chiens, les chats, les canaris, toute la famille. À bientôt pour une émission sur Motomag. Bisous sur le casque. Allez. Et à une prochaine. Speed Triple m'en vôtre. Ouais. À la prochaine, rose. Les gars. Ciao, rose. Ciao. Toi, t'assumes le rose. Hein. Complètement. Ouais. Moi, j'assume mon côté sensible et féminin, moi. Ouais, ça, c'est une évidence. Mais ça va.